Pour cette première vidéo, ça sera une vidéo assez courte, donc vous allez voir une équipe d'enquêteurs du paranormal qui décide d'aller faire une enquête dans un vieux cimetière. Donc c'est un cimetière qu'ils connaissent bien vu qu'ils ont déjà mené quelques enquêtes. Donc vous allez voir que quand ils seront au bord du cimetière, donc ils seront dans leur voiture, ils vont capturer quelque chose. Donc même moi je ne saurais pas vous dire si c'est une personne ou si c'est quelque chose de paranormal. Donc je vous laisse vous faire votre propre avis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous laisse avec la vidéo. Voilà, donc comme vous avez vu, c'est une vidéo assez courte, on ne voit pas grand chose. Donc pour moi, ça pourrait même être une personne qui marche dans le cimetière la nuit. Donc je vous laisse vous faire votre propre avis et on passe tout de suite à la deuxième vidéo. Pour cette deuxième vidéo, vous allez voir une équipe du paranormal qui part enquêter dans une maison. Donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette maison. Donc dedans, il y avait un couple qui vivait avec leur fille Sarah. Donc malheureusement, la fille décède à l'âge de 13 ans donc dans la maison. Après ça, donc le couple a décidé de se séparer. Donc l'homme a décidé de garder la maison. Il dit qu'il sent encore la présence de sa fille, donc c'est pour ça qu'il a fait appel à l'équipe du paranormal. Eux vont capter quelques sons inexpliqués et même des voix à travers la spirit box, mais c'est quand ils vont dormir qu'ils vont capter le plus gros phénomène. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. I just woke up and I heard a boom. Sounded like it was upstairs. It was definitely a loud bang upstairs. There it is again. That's fucking crazy. Bro, are you hearing this? I think there's someone in the fucking attic, bro. Like, no boy, I think so. Voilà, donc comme vous avez pu voir dans la vidéo, donc pendant que les deux enquêteurs dorment, on va entendre un énorme bruit qui va réveiller un des deux enquêteurs. Et lui, il va même voir la porte de la chambre qui va s'ouvrir toute seule. Donc il va décider d'aller voir s'il y a quelqu'un. Et là, il va même entendre des bruits de pas dans le grenier. Donc, comme si ça courait dans le grenier. Donc là, il décide de retourner dans sa chambre. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc si vous pensez qu'il y a un complice ou si c'est vraiment un phénomène paranormal. Et on passe tout de suite à la troisième vidéo. Pour cette troisième vidéo, vous allez voir un enquêteur du paranormal qui a accepté d'aller visiter une maison hantée. Donc pour moi, cette vidéo est vraie. Donc je ne vais pas vous en dire plus. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Hello? Is anyone here? Guys, what was that? Anyway, let's move on. Fucking hell. Someone pulled me back. There's only me here.
stood here. I was stood right there. And something pulled me back. What the fuck? Hello? Flipping X at. Yo, I have to go and have a look at that. I've got that on my camera. I'm sure I've caught that. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous pensez que cette vidéo est un canular ou s'il y a assez de preuves pour dire que cette vidéo est paranormale. Donc je vous laisse prendre 2 secondes pour vous abonner à la chaîne parce qu'on est de plus en plus et ça fait vraiment plaisir. Et on passe tout de suite à la 4e vidéo. Pour cette 3e vidéo, vous allez voir 3 enquêteurs du paranormal donc ils vont enquêter dans une maison qui est abandonnée au milieu de nulle part et vous allez voir qu'il va se passer quelques phénomènes inexpliqués donc je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. If you're in here, make a noise for me. Can you do that? Oh, dude, was that you? What was that? You alright? The fuck was that? That was like right there. You almost stepped on that. Oh, man. There was just something like right here. Dude, I heard a bang. Okay, Joe was over there and there was just something right here. Man, that's freaky. What was that? That was loud. I was about to say, wouldn't it be something if the one place we didn't check inside the shower, somebody's standing in here just waiting to cut us up. First time I went face to face with somebody. Yeah. No, that was loud as fuck, bro. No. Are you alright? What happened? What happened? Watch your foot. What was that? Seriously, like, when we go places, I think we all have a certain energy, and I know Rob is real sensitive. What? Okay. What? Okay, what was that? There's no way. Hello? There's no way. Dude, that sounded like a legit person just jumped on this floor, bro. It sounded like... That's what it sounded like. Yeah, that sounded like a chair moved or something. What? Okay, alright. Holy crap. This is freaking awesome, dude. I love this. This is what I live for. Oh, did you capture that? I may have captured it. I hope to God I captured it. Bro, this is freaking awesome. Voilà, donc moi je sais pas vous ce que vous avez pensé de la vidéo, mais moi perso au début de la vidéo je pensais que les enquêteurs, les bruits qu'ils entendaient, ça pouvait provenir peut-être de rongeurs vu l'état de la maison, ou même d'oiseaux. Donc par contre à la fin de la vidéo on voit que la chaise tombe bien seule, donc on peut même voir qu'il n'y a personne à côté. Et là c'est un peu plus difficile à expliquer, donc on peut même voir que les enquêteurs sont contents d'avoir enregistré ça. Donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé en commentaire et on passe tout de suite à la dernière vidéo. Pour cette dernière vidéo, c'est une vidéo postée par une femme qui s'appelle Sylvia. Donc là c'est pas une vidéo faite par des enquêteurs, donc là c'est vraiment filmé par elle. Donc en fait elle veut nous montrer ce qu'elle vit au quotidien, donc je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo.
Voilà, donc dans la vidéo, on peut voir que la caméra est posée dans la cuisine. Donc elle filme au niveau des portes de placard. Donc à mon avis, c'est là où elle a peut-être retrouvé des portes ouvertes. Donc elle a voulu mettre une caméra pour voir qu'est-ce qui se passait. Donc nous, on peut voir que les portes, elles se ferment et elles s'ouvrent toutes seules. Donc moi, je sais pas quoi en penser parce que déjà sur YouTube, on voit pas mal de vidéos comme ça avec des portes qui s'ouvrent, qui se ferment toutes seules. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je tenais à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Allez, ciao.